Bonjour, je suis Pierre-Yves Téphanie, je suis professeur de marketing en BTS Management Commercial Opérationnel. Le but du BTS, c'est de former des étudiants à gérer un point de vente et à développer la clientèle. C'est dans des secteurs variés, du commerce, de la distribution, de services, banques, et c'est un BTS qui permet une grande polyvalence, qui est généraliste et qui ouvre vers de nombreux métiers commerciaux. Les étudiants doivent être dynamiques, aimer le relationnel, car ils seront amenés à gérer une équipe commerciale et à gérer la relation client. Donc bonjour, je m'appelle Maxime, donc je suis en BTS MCO à la Croix-Rouge. Donc avant, j'ai fait un bac professionnel métier du commerce et de la vente. Moi, j'ai fait des stages à Kingjoie, Saint-Renan, mais aussi donc à Etam Lingerie, donc au Géant. Et donc j'aimerais poursuivre mes études donc en faisant une licence professionnelle, donc commerce et distribution, donc en alternance si possible. Je m'appelle Christelle Glot, responsable chez Tommy Hilfiger à Brest. J'accueille régulièrement des stagiaires de BTS MCO. L'objectif est de former les étudiants pour parfaire leurs compétences commerciales. Bonjour, je m'appelle Justine Le Guillou, je suis étudiante en deuxième année du BTS MCO au lycée de la Croix-Rouge de La Salle. Je viens d'un bac général et j'ai choisi cette formation pour acquérir des compétences commerciales. Dans cette formation, nous avons 16 semaines de stage. Sur ces 16 semaines, j'ai eu l'opportunité de faire un stage en Espagne en lien avec Erasmus+. Je pense poursuivre mes études en intégrant une école de commerce l'année prochaine. Je m'appelle Kylian Le Goff, je suis actuellement en deuxième année de BTS Management Commercial Opérationnel au lycée La Croix-Rouge La Salle à Brest. Anciennement, j'ai fait un bac STMG avec spécifique marketing. Je suis actuellement en stage dans la concession D.I. à Brest et je souhaite poursuivre mes études en licence dans le groupe Cobredia, donc spécialisé dans l'automobile.